Chanel, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo que je fais rapidement pour vous montrer comment j'enlève mes mini twists ou micro twists. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé, mais comment tu vas faire pour enlever ça? C'est tellement petit. En fait, j'ai ma technique que j'utilise souvent quand j'enlève, peu importe la grosseur des twists. C'est que j'attache plusieurs parties. Là, j'ai fait plus de parties que d'habitude parce que, évidemment, les twists sont beaucoup plus petites. Mais voilà, je fais. D'habitude, je fais 3 ou 4 sections ou ça dépend de la grosseur pour être sûre de n'oublier aucune twist. Et je tire un par un les twists que je défais. Et après avoir fini une section, ben je la rattache ou je fais une grosse twist. Donc voilà, je vais procéder à défaire mes micro twists. Donc ça fait à peu près 3h15 que je travaille à défaire mes mini twists. Donc comme je vous ai montré, c'est vraiment par section que j'ai attaché et un à un je tirais les mini twists. Donc ça a bien fonctionné, j'ai pas eu de difficulté à les enlever puis à démêler les cheveux par la suite. C'est sûr qu'il y en a comme celle-ci ici que j'ai fait beaucoup trop mince et qui me donne un peu de difficulté à défaire. Donc il faut vraiment que j'y aille très délicatement pour être sûre de ne pas trop abîmer mes cheveux. Mais bon, là j'ai séparé les deux mèches. Alors je vais juste y aller très doucement pour enlever... voilà, j'ai défait ici. Et voilà. Donc voilà, je défais.